Quand vous redescendez à Aurillac, alors les vaches, elles vont dans le pré de la ferme? Comment ça se passe? Oui. Eh bien, on fait le même boulot. Le même boulot, mais à la ferme. Il y avait à peu près une soixantaine, non? 57. 57. Et les veaux, il y en a combien? 53. Les vaches? 57. 57, en fait. Les taureaux, il y en a qu'un? Combien les autres, alors? Ouh, là. C'est pas vous, le troupeau en face, là, de Blanche? Non, non, non. Ah, non, non. C'est la salaire. Vous les avez mis, les petits veaux? Les deux petits veaux, là. Les deux petits veaux, mais les autres? Les autres, ils se promènent dans le pré, là, en fait. Ah, c'est eux, là-bas, tout là-bas? Je suis passé sur moi. Vous êtes pas Qu'est-ce que vous faites après là? Bon, pour le moment, pas grand chose. Pas grand chose? Il faut laisser cueillir les lait jusqu'à encore 3-4 heures. Et après, il faut le travailler avec ses machines. Moi, je m'occupe du haut, faire le café. Il me faut aller faire les courses. Donc. Vous ne serez plus qu'il n'y aura plus que deux, en fait. Il n'y a peut-être y aura personne. Il n'y a peut-être personne. Je ne sais pas comment ça tournera encore. Peut-être la dernière année. Si tout est personnel. Je ne crois pas. Je ne vais pas être trop... Les jeunes ne veulent plus continuer à se terminer. Sauf qu'il n'y a pas de jour de congé. Il n'y a pas de jour de congé, là, non. Jour férié, en bas. Mais oui, samedi et dimanche. Un peu de congé au mois de janvier, c'est tout. Ah oui, en janvier, ah. C'est plus calme. Les cochons. Comment ça se passe quand il y en a un de vous trois qui est malade? On n'est jamais malade. Vous n'êtes jamais malade. On se soigne un à l'autre. Avec le grand air comme ça. On se soigne un à l'autre. Pour le moment, il n'y a pas eu quand même de trop. Non. Non. Il n'y a pas de téléphone, évidemment. Le téléphone, médecin, 3 km. Il faut descendre en vélo. Eh oui. Et les bêtes? C'est vous qui faites office de vétérinaire? Oui, oui. Tout. Ça n'organise pas, tout du. Ah. Vous avez quand même des moments de tranquillité ici? Pas beaucoup. Non, il y a toujours quelque chose à faire? Hop, il y a toujours quelque chose. Qui prépare la cuisine? C'est à tour de rôle? C'est moi. C'est vous. Ah bah, c'est ça. Ouais. Pour l'heure, pour le temps. Ouais. Pour l'heure, le temps de manger, c'est tout.
qu'il y a un moyen de savoir si le fromage vient, a été fait dans un bureau, c'est-à-dire comme vous le faites vous, ou alors si on le trouve avec, fait dans une manière industrielle. Dans les fermes, là, comme ici, on fait le Cantal, mais ils ont les plaques rouges. Ouais. Et les autres, ils ont les plaques blanches. Alors, c'est pas pareil. Mm-hmm. Des fois, ils ont de la plaque même. Faut pas le dire, ça. Ouais, faut pas le dire. Et vous êtes contrôlé, il y a un contrôle sanitaire ou comment ça se passe? Tous les mois, on fait le contrôle. Tous les mois? Je sais pas, moi, vers les 5 heures à peu près, vous devez peut-être commencer la nuit, vous commencez vous attendez le jour. Ah oui, les jours sont longs. Oui. C'est pareil en septembre aussi, quoi, vous attendez un petit peu la traite. Dans septembre, on rentre avec la lanterne, la gaz. Encore un petit peu, ça va. Si peu tôt devant, ça va bien. Soirée. Il faut attendre que les deux soient cueillis. Côté réveillé. C'est dire combien de temps à peu près? Juste pour 10 heures. Bon. Dans une. Ouais. Il n'y a pas l'hôtel ici. Et là, vous êtes en train de faire le café. C'est la pause café, là, maintenant. Pendant une demi-heure. Et la chaleur, c'était trop de tuiles.